Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission 1, 2, 3, santé. Aujourd'hui, nous parlerons du fibrome. Alors, si vous êtes une jeune femme de plus de 30 ans, il y a de fortes chances que vous en ayez déjà développé un, voire même plusieurs, et sans même le remarquer. Donc aujourd'hui, on vous dit tout sur le fibrome. Mais avant même de démarrer, faisons un point, quelques précisions rapides avec le docteur Ferriane. Bonjour docteur. Bonjour Oyemouna. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de fibrome. Les fibromes, ce sont des tumeurs bénignes, fréquentes chez les femmes de chez nous. Ce sont des tumeurs développées aux dépens de la paroi de l'utérus. Ils peuvent être isolés ou regroupés. Ils sont de volume variable, de la grosseur d'un petit pois ou d'un gros pamplemousse. Ils ne donnent le plus souvent aucun signe, mais parfois sont responsables de la compression de la vessie ou de l'intestin. Parfois peuvent saigner beaucoup ou plus rarement donner des problèmes de stérilité. Des nouveaux traitements tels que l'embolisation peuvent permettre désormais d'éviter la chirurgie. On va pouvoir approfondir tout ça avec les professionnels qui seront avec nous. Tout de suite, la question du jour. Bonjour, je voudrais savoir si les fibromes utérins posent problème pendant la grossesse. Réponse avec le docteur Lurel Sylvia, gynécologue, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Yemouna. Bonjour. Bonjour docteur Peyana. Bonjour aux téléspectateurs. Alors j'imagine que ce type de question revient régulièrement lors des consultations. Absolument, absolument. Et on prendra le temps d'en parler. Mais avant, on va faire un peu le point sur la définition. Alors l'utérus est un muscle et sur différents facteurs que nous verrons tout à l'heure, il y aura une prolifération, c'est-à-dire que les cellules vont s'organiser, grossir entre elles et former donc un noyau dur, encapsulé, c'est ce qu'on appelle en fait le fibrome. Donc c'est une tumeur bénigne, j'insiste, il n'y a pas de dégénérescence de cette tumeur en cancer, donc il faut rassurer la population. C'est une pathologie qui est très 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 fréquente chez nous, de par déjà notre origine ethnique, hein, 80% de la population afro-caribéenne présente des fibromes utérins. Aussi des facteurs alimentaires. Il faut savoir que les grands consommateurs de viande et ceux qui consomment peu de légumes vont effectivement développer plus de fibromes. L'obésité est également un facteur développant à la croissance de ces fibromes et bien sûr des facteurs génétiques, hein, des facteurs familiaux. Quand on a des antécédents dans la famille, il y a des risques de développer pour la descendance des fibromes utérins. Docteur, comment une jeune femme va se rendre compte ou suspecter un fibrome ? Alors déjà une jeune femme, les fibromes ne se développent pas avant la puberté. Donc c'est vraiment une pathologie de la femme en âge de procréer, avec un pic préférentiellement entre 30 et 45 ans, hein, en période préménopausique. Le plus souvent, elles peuvent être asymptomatiques, c'est-à-dire n'avoir aucun signe. Et lors d'une consultation gynécologique, le professionnel va se rendre compte que l'utérus est un peu augmenté de volume, faire une écho et puis découvrir les fibromes. Mais la plupart du temps, les fibromes vont être à l'origine de plusieurs complications cliniques, dont la principale, ce sont les règles abondantes, ce qu'on appelle des ménorragies, qui peuvent avoir une incidence sur l'anémie. Donc, ce sont des femmes qui le plus souvent sont très anémiées. Les fibromes peuvent également donner des douleurs pendant les rapports, des douleurs pelviennes hors cycle également, des compressions sur la vessie avec des difficultés à uriner, des compressions également sur le rectum, donc avec des difficultés également à aller à la selle, et des douleurs pendant les rapports. Et parfois, lors d'un bilan d'infertilité, on peut se rendre compte effectivement que un le fibrome d'infertilité, c'est-à-dire les femmes qui ont du mal à avoir des enfants, on peut se rendre compte également que le fibrome peut être à l'origine de cette infertilité. Alors, comment on va faire le diagnostic ? On le suspecte, mais comment on va faire le diagnostic ? Alors, déjà, cliniquement, le diagnostic peut être évoqué. Donc, bien interroger la patiente avec les signes dont j'ai évoqué tout à l'heure. Et on a un examen très simple, non invasif, qui est l'échographie. Donc, avec l'échographie, on permet de faire le diagnostic avec le nombre de fibromes. Oui, parce qu'il peut y en avoir un seul. Comme il peut y en avoir plusieurs, absolument. Mais c'est surtout la localisation de ces fibromes qui va induire après la prise en charge de la patiente. Et parfois, si cette échographie ne suffit pas, soit parce que la patiente, elle n'est pas assez échogène, hein, j'ai dit tout à l'heure que l'obésité
était un facteur prédictif des fibromes, donc on peut ne pas bien voir à l'échographie. C'est ce que vous appelez échogène, ça veut dire qu'on ne voit pas bien. Exactement, les ultrasons ne passent pas très bien. Ben à ce moment-là, on va proposer une IRM. Une IRM qui permettra de mieux visualiser ces petits noyaux, et notamment par rapport à la cavité intra-utérine. Alors, vous avez dit que ça apparaît souvent autour de la trentaine, mm-hmm. en tout cas avant la ménopause, mais on dit que ça s'améliore aussi avec la ménopause. Alors oui, effectivement, parce que le fibrome va croître sous l'influence hormonale et notamment des œstrogènes. Et effectivement, après la ménopause, nous avons une chute hormonale, puisque les ovaires sont au repos, et donc le fibrome, naturellement, il peut être amené à régresser. Alors, j'insiste, juste une petite aparté, c'est que effectivement, s'il ne régresse pas après la ménopause, si on a des tumeurs, on peut avoir un diagnostic différentiel. Important, c'est le sarcome. C'est donc le cancer du muscle utérin qui est complètement différent du fibrome. Très bien. Alors, donc, qui est rare. Qui est très rare, bien sûr. Ça nous permet d'arriver à la question des traitements. Donc, ces fameux traitements sont de quelle sorte? On va prendre des médicaments? On va opérer? Alors, tout dépend de l'âge de la patiente et de son désir de grossesse, d'accord? Tout dépend également des répercussions que l'on a sur la clinique, hein, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, ça donne des règles extrêmement abondantes, avec parfois des hospitalisations qui nécessitent des transfusions parce que la patiente est très anémie. Mm-hmm. Alors, quand le fibrome n'entraîne pas trop de dégâts cliniques, on peut être amené dans un premier temps à proposer un traitement médical. La plupart du temps, ce sont des traitements progestatifs, à savoir que ce ne sont pas des traitements qui vont radicaliser le fibrome. Le fibrome va toujours rester en place. Il va simplement permettre d'améliorer la vie quotidienne de la patiente en jouant sur les symptômes, donc en entraînant ce qu'on appelle une atrophie, en empêchant les saignements. Donc on en a de différents types, hein, le progestatif, d'autres substances qu'on peut utiliser également, et dont la dernière qui était l'ESMIA, qui a bien fonctionné pendant un certain nombre d'années, et qui malheureusement a été retiré du marché il n'y a pas très longtemps. Très bien, on reviendra, on va approfondir cette question des traitements. Si je vous dis laparotomie, ça vous parle ou pas? Absolument. Très bien, ça fait partie des traitements bien du fibrome. Bien sûr. Très bien, merci beaucoup docteur. Tout de suite, nous partons en reportage. Les fibromes utérins doivent être traités uniquement lorsqu'ils sont accompagnés de symptômes gênants ou qu'ils risquent de se compliquer. Faisons le point sur les différentes techniques chirurgicales pratiquées pour enlever un fibrome. Donc on a assisté à une polymyomectomie. Donc il s'agit de faire l'ablation de différents fibromes en faisant de laparotomie, c'est-à-dire en procédant à l'ouverture de la cavité abdominale, de manière à enlever les différents fibromes et laisser l'utérus en place chez les patientes qui ont encore un désir de grossesse. Alors, il faut savoir qu'un fibrome, c'est une tumeur qui est bénigne. Donc, il n'y a pas de potentiel dégénératif en cancer. Effectivement, le fibrome a mauvaise presse. On a tendance à penser que le fibrome, quand ça peut grossir, quand ça peut évoluer en cancer, certes, il peut grossir, mais il n'y a pas de potentiel dégénératif en cancer. Une patiente a le droit d'avoir un cancer de l'utérus, mais ça ne sera pas un fibrome qui se sera transformé en cancer. Ce sont deux pathologies totalement distinctes. C'est l'équivalent d'un grain de beauté. Il peut se modifier, mais il ne peut pas se transformer en cancer, en tout cas. Et donc, on propose une chirurgie uniquement aux patientes qui sont très gênées. C'est-à-dire que les principaux symptômes peuvent être soit des saignements abondants lors des règles ou entre deux périodes de règles. Ça peut être des douleurs pelviennes, ça peut être une pesanteur pelvienne pour les fibromes qui sont très gros, ça peut être une compression des organes de voisinage et éventuellement des difficultés à concevoir. Donc on réserve vraiment la chirurgie aux patients qui sont très gênés, mais pas du tout à toutes les patientes. Alors, il faut savoir que le principal risque d'une polymyomectomie, c'est surtout le risque hémorragique. Puisque le fait d'ouvrir l'utérus pour aller faire l'ablation des différents fibromes, c'est une intervention qui est réputée hémorragique. Donc premièrement, la patiente va saigner en péropératoire lors de l'intervention. C'est la raison pour laquelle on les prépare à l'opération en les mettant sous fer ou éventuellement en bloquant les règles avant l'opération pour que le jour de l'intervention, elle puisse avoir le taux d'hémoglobine le plus haut possible pour justement faire tout ce qu'il faut pour éviter une transfusion. Donc déjà, on optimise la chirurgie au maximum. Et le deuxième risque principal, c'est le risque d'adhérence. C'est-à-dire que toutes les fois où on va faire une effraction sur l'utérus, il se peut que les organes de voisinage puissent venir adhérer. Donc ça peut être soit la vessie, soit les intestins, soit l'épiplon. Donc les organes de voisinage peuvent venir adhérer à ces multiples cicatrices qu'on fera sur l'utérus. Ce sont les principales complications.
Justement, pour limiter le risque d'adhérence des organes de voisinage, on peut utiliser des gels, en fait, qui sont bien souvent faits à base d'acide hyaluronique et qui vont avoir un effet de gel anti-adhérentiel. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a refermé la paroi externe de l'utérus, on applique un gel, justement, qui va empêcher ces organes de voisinage de venir s'accoler sur les zones opératoires. Alors, chez cette patiente, on a enlevé 4 fibromes au total. Le plus gros faisait entre 7 et 8 cm. Et donc, c'était des fibromes, pour la plupart, qui étaient sous-séreux. C'est-à-dire que les fibromes bombaient sous la surface externe de l'utérus. Et donc, le principal fibrome, c'est un fibrome postérieur. Donc, il bombait dans le cul-de-sac de Douglas, qui est le point le plus déclive de l'abdomen. Donc, c'est la raison pour laquelle, avant de pouvoir accéder à ce fibrome, il y a eu un petit travail pour libérer toutes les adhérences, puisque c'est une patiente qui avait déjà bénéficié d'une césarienne auparavant. Donc, on a dû libérer toutes les adhérences qui étaient déjà créées pour pouvoir mobiliser l'utérus et ainsi accéder à sa face postérieure pour retirer le plus gros fibrome. C'est une opération qui est réputée hémorragique. C'est la raison pour laquelle on prépare les patientes à l'avance, de manière à ce qu'elles aient le meilleur taux d'hémoglobine le jour de l'intervention. Bien sûr, on fait le maximum pour réduire les pertes sanguines en cours d'intervention. La patiente qu'on vient d'opérer, même si ça peut paraître un petit peu impressionnant, mais les pertes sanguines étaient de 500 cc. Donc, ce sont des pertes qui sont relativement classiques pour ce type de chirurgie. Mais voilà. Et sachant qu'après l'opération, elle aura un traitement martial pour justement l'aider à fabriquer de nouveaux globules rouges et à combattre l'anémie. Donc là, on a assisté à une laparotomie. Ça reste quand même assez lourd comme intervention. Absolument, c'est une intervention qui est lourde, qui peut être difficile en fonction des antécédents chirurgicaux de la patiente et également de la situation des fibromes. Mais il en existe d'autres quand même. Bien sûr, d'autres alternatives chirurgicales, bien sûr. Alors, tout dépend de l'âge de la patiente, de son désir d'avoir une grossesse ultérieure, bien sûr, et de la localisation du fibrome. Donc, par exemple, si on a un petit fibrome qui se situe dans la cavité, ce n'est pas nécessaire d'ouvrir la cavité. On va prendre une petite caméra qu'on va introduire à l'intérieur de l'utérus et avec un résecteur, on va pouvoir enlever ce fibrome. Alors, l'avantage de cette technique, c'est qu'elle peut se faire en ambulatoire, c'est-à-dire que la patiente vient le matin, elle repart le soir. Ni vu ni connu. Voilà, avec des suites opératoires beaucoup plus simples que la laparotomie. D'accord ? Alors, il y a d'autres alternatives chirurgicales également, c'est la célioscopie. La célioscopie, donc, on n'a pas besoin d'ouvrir le ventre en totalité. Avec une petite caméra, on fait un petit point au niveau de l'ombilique, deux petits points au niveau des fosses iliaques, et on va pouvoir enlever les fibromes. Alors, bien évidemment, il y a des indications. Il ne faut pas que les fibromes soient trop nombreux, donc il ne faut pas qu'il y en ait plus de 3. Il ne faut pas qu'ils soient trop gros non plus. Hein, idéalement, il ne faut pas que ça soit supérieur à 8 cm, parce que techniquement, ça devient impossible. Alors, les suites de la célioscopie par rapport à la laparotomie sont également plus simples. La durée d'hospitalisation est plus courte, avec moins de complications. Et il reste une troisième possibilité ? Alors, c'est l'ultime, on va dire. C'est le traitement qu'on dit radical, qui on n'enlève pas les fibromes, mais l'utérus. Alors ça, bien sûr, c'est en fonction de l'âge de la patiente, de son désir de procréer. C'est souvent réservé aux patientes en préménopause, hein, d'accord ? Et bien sûr, des antécédents de la patiente et de la technique chirurgicale. Donc, retenir que c'est un traitement à la carte, bien sûr. En fonction de chaque situation, patient. Bien sûr, tout à fait. Et donc, du coup, la femme, est-ce qu'elle se sent toujours la même ou elle peut être un petit peu, gênée, psychologiquement parlant ? Alors, c'est surtout des retentissements. Psychologique, parce que sur le plan anatomique, ça ne change rien à la féminité de la patiente. Bien sûr, au contraire. Très bien. Alors, il existe tout de même des traitements moins invasifs. Tout à fait. Oui, hein, des choses un peu moins complexes. D'ailleurs, on va le voir dans la deuxième partie de notre mission. Restez avec nous. Deuxième partie de votre émission 1, 2, 3 Santé. Aujourd'hui, nous parlons des fibromes avec le docteur Sylvia Lurel, gynécologue. Dans la première partie, nous avons vu les différents traitements médicamenteux, chirurgicaux, assez invasifs. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une autre alternative pour traiter ces fameux fibromes ? Absolument. Les patients peuvent avoir recours à l'embolisation.
Alors, qu'est-ce que c'est que l'embolisation? Vous avez vu mes plis, là, au niveau de mon front? Oui, donc je vais expliquer. Alors, l'embolisation, c'est une technique radiologique interventionnelle qui consiste, en fait, à envoyer des microparticules de gélatine au niveau de l'artère qui va nourrir le fibrome. Donc, on va boucher les artères. Exactement. Okay. Donc, c'est une technique qui est réalisée par un radiologue interventionnel. Il va mettre un petit cathéter à partir de l'aine au niveau de l'artère fémorale et va introduire ce petit cathéter. Donc, bien sûr, c'est sous radiologie, hein, c'est-à-dire qu'il voit en même temps ce qu'il fait, au niveau de l'artère utérine et envoyer des microparticules de gélatine afin de d'avasculariser, d'ischémier en fait ce fibrome. Oh là 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 d'empêcher au sang d'arriver. Donc, et ce qui va entraîner une nécrose, une régression du fibrome qui va devenir tout petit. Tout à fait. Et donc, plus petit et moins de conséquences sur la clinique. D'accord. Donc, ça veut dire que oui, vous avez quelque chose à ajouter. On ne peut pas proposer d'embolisation à toutes les patientes. Ah. D'accord. Alors, bien évidemment, ça dépendra, comme je l'ai toujours dit, de l'âge de la patiente, de son désir de grossesse. Parce que l'embolisation n'est pas indiquée chez les patientes qui n'ont pas encore eu d'enfant. D'accord. Et également, bien sûr, de la localisation des fibromes. Elle n'est pas indiquée non plus en cas de fibrome intra-utérin. D'accord. Puisqu'on n'a pas accès à l'artère Absolument. Qui nourrit ce fibrome. Donc, c'est vraiment une indication très intéressante, une alternative très intéressante, mais à proposer au cas par cas, encore une fois. C'est le gynécologue qui propose. Le gynécologue en relation avec le radiologue interventionnel, avec une IRM préalable qui permet de mieux voir la cartographie. Et à l'issue de ça, on va pouvoir déterminer ou pas l'indication de l'embolisation. Vous savez qu'on fait les choses très bien, 2, 3 santé. On va proposer à nos téléspectateurs de visualiser ce que vous venez de dire. Donc tout de suite, nous partons en reportage avec le docteur Eddy Glaude pour assister justement, comme si on y était, à cette embolisation. Ça vous va? Absolument. Alors c'est parti. Action. Merci beaucoup docteur. Eh bien, nous allons partir en reportage, comme d'habitude. C'est tout de suite. L'embolisation des fibromes utérins est une technique interventionnelle mini-invasive permettant d'éviter la chirurgie classique qui est réalisée par un médecin radiologue interventionnel dans une salle spéciale. Cette technique ne nécessite qu'une petite ponction au pli de l'aine. Sous anesthésie locale, le radiologue interventionnel introduit alors un tout petit tube appelé cathéter qu'il fait remonter de manière indolore jusque dans les artères qui nourrissent le fibrome. Le radiologue interventionnel va alors injecter de très fines particules de 0,1 mm de diamètre chacune, dans le cathéter artériel, et ces fines particules vont aller boucher, colmater définitivement l'artère qui irriguait le fibrome. Celui-ci, privé ainsi de sang et d'oxygène, va se rétracter progressivement au cours du temps et permettre une nette diminution des symptômes dans au moins 8 à 9 cas sur 10. L'embolisation ne requiert qu'une simple hospitalisation de 24 heures. Les risques sont faibles, les plus fréquents, douleur après le geste traité par antidouleur, infection traitée par antibiotiques et possible trouble des règles. Voilà une embolisation. On voit quand même que c'est beaucoup plus simple. Absolument, beaucoup plus simple, avec des suites beaucoup plus simples à gérer. Alors, à noter quand même que l'hospitalisation de 24 à 48 heures est quand même nécessaire parce qu'elle peut être extrêmement douloureuse, cette intervention. Mais c'est souvent bien géré par les anesthésistes avec un protocole de morphine mis en place. Donc l'hospitalisation est de très courte durée. Mais surtout, il n'y a pas de cicatrice, il y a des douleurs, mais il n'y a pas de cicatrice. Et les suites ultérieures sont beaucoup plus simples. Beaucoup plus simples, avec très peu de risques de récidive et une amélioration de la vie quotidienne de la patiente. Mais il y a quand même un suivi après. Absolument, la patiente doit être revue à la fois par le radiologue, mais surtout par son gynécologue, avec parfois nécessité de faire une IRM à distance pour bien voir la régression des fibromes. Une IRM à distance, comment vous faites une IRM à distance? Quand je dis à distance, c'est à distance du geste. Donc dans les mois qui suivent le geste. Okay. Idéalement vers 4 à 6 mois après l'intervention. Merci beaucoup. Alors docteur, en début d'émission, on nous a posé une question, à savoir est-ce que on peut, la question du jour, hein, est-ce qu'on peut avoir des bébés quand on a des fibromes? Alors, encore une fois, je vais être redondante, j'insiste, ça dépend de la clinique de la patiente et surtout de la position du fibrome. Du fibrome. Si le fibrome est découvert de façon fortuite, c'est-à-dire au cours de l'examen, sans symptômes cliniques, il n'y a aucune indication à enlever le fibrome avant la grossesse.
on risquerait d'être plus délétère qu'autre chose. Par contre, évidemment... Plus délétère, ça veut dire que ça peut être plus dangereux. On risque d'avoir plus de complications. D'accord. Par contre, si c'est un fibrome qui entraîne des saignements importants, avec une anémie, des répercussions cliniques importantes, et surtout s'il est dans la cavité, bien évidemment, il faut proposer un traitement chirurgical par voie hystéroscopique à cette patiente avant de débuter une grossesse. Très bien. Je crois qu'on a fait le tour, hein, docteur Périana. Ah, tout à fait. Très bien. Eh bien, mon cher, nous vivons au bout de la jardin Étienne. On va remercier le docteur Lurel de nous avoir accordé du temps et d'avoir répondu aux questions de nos téléspectateurs. Merci à tous pour votre attention aujourd'hui. On reviendra très vite avec une nouvelle thématique. Et tout de suite, la synthèse en créole. Monsieur Zedam Akadizot, bien bonjour. Pour le nouveau numéro LASA, nous parler des fibromes utérins. C'est une tumeur bénigne qui a développé en matrice à nous forme. Docteur Sylvia Lurel, qui est gynécologue, bien dit nous que petit nion ou plusieurs tumeurs bénignes qui a développé ces matrices-là. Des parfois et là ou pas même savent. Au pénis saignement, constipation. Les ou nion fibrome, ça peut compliquer grossesse. Mais pour savoir tout ça, il faut faire une échographie. Mon IRM qui est bas tout des 4 mois là. En général, il peut apparaître avant 30 ans. Il a dit qu'il est aggravé avant la ménopause, mais il a diminué aussi après. C'est important à savoir pour traitement là. Pendant longtemps, tétinigné qui démaniait pour soigner ça. Soit, eh bien, c'est qu'a créé un analogue hormonal, mais qui tétinit trop effet secondaire. Soit, il était qu'a fait en opération. Ouvrez ventre là, et ça peut aller juste à tirer matrice à madame là. Tétinit aussi, c'est qu'a créé en célioscopie. Si on tuyau, qui a tiré fibrome là, mais à présent, il y a un nouveau traitement qui est plus facile. Il y a créé l'embolisation. C'est un produit qui a injecté dans le vaisseau à matrice là, qui a permis de diminuer grosset à toutes ces fibromes là en seul coup. Tu as tenu moins effets secondaires et après opération là, qui est plus facile. Service à Dr. Glode en l'hôpital là permet nous de voir qui gens ça a passé. Pour finir, en cas de toute forme, restez véatif et bien écoutez quoi azote. À tantôt.